Il était une fois Jules et Dylan, deux jeunes garçons plutôt laids, meilleurs amis depuis quelques années. Ces deux jeunes garnements décidèrent de lancer une chaîne YouTube de vlog pour filmer et montrer leur vie, ma foi plutôt nulle. En se lançant sur YouTube, jamais, je dis bien jamais, JAMAIS, ils auraient pu imaginer ce qu'ils allaient leur arriver. Bon, tu t'occupes de finir le montage? Elle va être dingue la vidéo. Mince, j'ai oublié le sac. Où ça? Là où on était. Ah mince, ouais. Mais attends, quel sac? C'est vrai ça. Quel sac? Bon, j'y vais. Fais quoi? À chercher le sac. Mais quel sac? Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de sac. Et c'est quoi ça? C'est une fougère. Ouais, enfin ça ressemblait vachement à un sac de loin. Mais t'avais pas de sac. Oh, oh mais sort d'où lui? Bah de mon sac. Qui es-tu, noble étranger? C'est dommage, je suis un prince, quoi. T'es surtout un petit comique, toi. Je suis venu du futur pour vous prévenir d'un présage funeste planant sur vous. Toi, t'as mangé un clown. Toi, ça sent... Bah, ça sent, hein. T'as mangé un clown. C'est vraiment très rigolo, hein. Qu'en est-il, oh extraterrestre suprême? Arrête ça, mec, tu fais pitié. Tu prouves en fait. Et oh, hein, moi j'essaie d'être courtois. Hein. La politesse, tout ça, hein, vous connaissez pas, vous. Hein. Non, mais t'as juste l'air stupide. Arrête. Je te l'avais dit. Bon, oh, bref. Maintenant. Tu fais quoi là? Bah, je filme pour notre vlog. Mais t'es fou, fais pas ça. Il rigole pas, lui. Hein. Fais pas ça! Ne filme pas! Sinon quoi? Bah. Ah oui! Je peux vous étrangler avec mon bras supersonique! Tu vas rien faire! Chut, arrête de faire le fou là, ils sont capables de tout! Et je dis donc! Non mais. Frère, je te vois là! Pardon? Vas-y, arrête là! Bon, finis les conneries! Vous ne devez pas poster la vidéo du jour! Parce que vous allez regretter et vous courez un grave danger! C'est tout? Ouais. Ouais, à peu près, ouais. Bon, ok! Allez, salut! Tu faisais quoi? Oh, rien. Tiens, ton sac aussi. C'est l'extraterrestre qui me l'a donné. Moi, je t'avais bien dit que j'avais un sac. Ouais. Bon, on fait quoi du coup? On la poste pas. T'es sérieux, mec? Tu vas vraiment l'écouter? Bah, c'est mieux, non? Il a dû dire ça pour une bonne raison. Non, mec, t'es beaucoup trop naïf. On va pas gâcher tout le travail qu'on a fait juste parce qu'un taré avec un tuba nous a dit non. Bah, je suis désolé, mais il avait l'air sérieux. Mais bah, c'est génial comment tu flippes. Je flippe même pas, hein. Bon, allez, je termine le montage et la poster. Non. Si. Non. Bah si. Mais non. Mais si. Et pas Ronaldo. C'est quoi, vas-y, poste là. Sérieux, mec? Je sais pas. Mais c'est bon, le mec, c'est juste un mec qui s'est fait recaler de son cours de natation et qui aime pas nos vidéos. De toute façon, je décide. C'est bon, elle est en ligne. Non, comme tu dis. Vous méritez pas de vivre sale ordure, vos darons les protègent-ils bien? Jules, t'es roux? L'enfer n'attend que vous, sale homme inutile sans talent. First? Mais pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on a fait une bêtise. C'est ma faute. Non, mais regarde aussi, je voulais la poster. Vraiment? Non. Ah? Enfin, je sais pas. Non, mais j'étais beaucoup trop con. J'en ai fait qu'à ma tête. Non, mais t'inquiète, moi aussi j'ai participé à l'action. De toute façon, c'est fait. Ma carrière de youtubeur est terminée. C'était si beau. De toute façon, c'est fait. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dylan! Tu te souviens, l'extraterrestre? Le défoncé, là? Ouais, si tu veux. Mais il disait venir du futur.
Et moi, malin comme je suis, je lui ai demandé comment il avait fait. Mec, tu m'épates, comment tu peux vraiment croire ce gars? Tu devrais réfléchir plus devant toi, hein. C'est quand même étrange que le défoncé et recalé de son condamnation ait prédit le présage funeste planant sur nous. Hein. Et toi, malin comme tu es, tu lui as pas demandé pourquoi on ne devait pas poster la vidéo? Non, malin comme je suis, je lui ai pas demandé. Bon, vas-y, essaye, t'auras l'air bien con quand tu verras que ça marche pas. Ça peut pas marcher. Et pourquoi? Ça n'a pas de jambes. Bon allez, monsieur Dylan doit aller sauver notre chaîne dans le passé. C'est pas le temps de rigoler là. Bon, faut faire quoi après? Il m'avait dit qu'il fallait que je mette du sel. Du sel? Ah, mais pas dans les yeux, mais pas dans les yeux là, oh. C'est bon. Et ensuite? Là, maintenant il faut que tu dises, Dylan, oh grand Dylan, tu es bien meilleur que moi. C'est mort. Mec, pour notre chaîne. Oh Dylan, oh grand Dylan, tu es bien meilleur que moi. Pourquoi ça marche pas? Je faisais marcher. Bah non, je suis assis. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Mais tu m'énerves toi. Tu m'énerves. Ok, je le fais. Bon, on va partir, prends ça, t'en auras besoin. Slavaziz, Slavazou, le coup de boule de Zizou, c'était involontaire. Oh purée, ça a marché! Oh, t'as vu ça? Ah bah non, je suis con, c'est vrai, il est parti. Oh yes, ça a marché. Oh yes. Oh, mais sort d'où lui? Bah de mon sac. Qui es-tu, nom étranger? Je suis un extraterrestre. Oh Dylan, je croyais t'avoir perdu. Tu dis ça? J'ai pas, ils disent tout ça dans les films. Pourquoi ça va marcher? Oh non. Je crois que c'est que... C'est parce qu'on est trop stupide. C'est vrai que lancer des pierres sur un noir, c'était peut-être pas une bonne idée. Hé, hey, toi là-bas! Avance-toi là! Viens par là! Hé, hey, toi, accroupi là! Allez! Ah non, arrêtez! Arrêtez! C'est pas cool les mecs! Step in.